Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M Voyance. Bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo assez courte de prédiction pour votre journée de demain. Donc, nous serons les dimanches 5 janvier, pardon. Donc, voir un peu votre journée de demain, si elle est plutôt positive ou au contraire, si elle va être plutôt. Après, bien sûr, ça ne généralise pas tout le monde. C'est un tirage global pour voir les principaux pardon côtés de la journée en fait. Donc fin de semaine assez galère pour certains. Pour d'autres, ça leur change pas de leur routine, c'est plutôt habituel. Au contraire, pour d'autres, c'est encore ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de positif pour la journée de demain. Donc, on a le diable. Le diable qui nous indique que beaucoup de personnes de français sont dans l'attente d'une réponse, sont dans l'attente d'une fin de mauvaise période. Ils sont entre le manque de contrôle, les mauvaises impulsions et voilà, la sensualité qui les inciterait, pardon, au plaisir et aux abus. Le conseil que je peux donner pour ces personnes, c'est vraiment de laisser de côté un petit peu en fin de semaine évacuée. Pour beaucoup, le dimanche, c'est une journée de repos, donc au contraire, en profiter pour faire une activité qu'ils aiment, même s'ils n'en ont pas envie. Car l'énervement joue sur la santé et n'a jamais été positif pour personne. Ensuite, nous avons la carte de la justice. Donc, pareil, cette carte équivaut au reste. Donc, utilisation pour ces personnes-là de beaucoup de ruses. Donc, si vous attendez une réponse ou par rapport surtout au domaine professionnel, cette carte est ressortie, je dirais. Il se peut que vous l'atteigniez. Soyez patient, faites preuve de courage, faites preuve d'audace aussi. Attention, cette carte peut aussi éventuellement guider vers la violence ou la brutalité. Donc, n'en faites rien. Restez vraiment zen. Et par rapport au travail, il se peut que vous atteigniez une meilleure place, une suprématie acquise avec beaucoup de mal, mais tout de même. Et voilà, il faudra être patient. Et je vois notamment une dispute suivie d'une réconciliation au niveau des couples. Donc voilà. Ensuite, nous avons la carte de la mort qui ressort. La carte de la mort ce n'est pas tellement négatif. Elle signifie surtout que beaucoup de personnes sont dans la crainte et dans l'hésitation. Et dans une perte d'énergie notamment, une fatigue organique. Voilà, et donc le conseil pour le coup, c'est beaucoup de repos et essayer de rester aussi au maximum zen. C'est tout ce que je peux dire en fait, puisque le tirage pour la journée de demain, étonnamment, est négatif. J'ai appris que certaines manifestations avaient lieu aussi demain. Voilà, mais il y a quelqu'un dans cette carte qui vous veut aussi du bien. Qui veut essayer de vous aider, de vous protéger au mieux. Donc regardez dans votre entourage la personne à qui vous entendez le plus, qui pourra vous donner notamment des conseils. Ensuite, nous avons le pape. Donc cette carte indique qu'il va falloir faire preuve de loyauté, de sens de l'organisation. Cette carte est aussi le positif dans mon tirage, puisqu'elle signifie l'enthousiasme et le respect de chacun, un voyage qui serait profitable pour vous dans votre profession, donc dans votre métier, et qui vous aidera à monter dans la hiérarchie. Et malheureusement, pour d'autres aussi, quelques ennuis de santé, voire donc dû à des rhumatismes et aussi dû à des décisions fâcheuses. Il se peut que vous ayez changé de poste ou quelque chose et que ceci vous se retourne contre vous puisque vous n'arriverez pas à garder le rythme. Et s'il y a une attente d'une réponse, ça peut être dans le domaine de l'amour, dans le domaine du professionnel ou dans le domaine de votre vie privée, tout simplement. Sachez que ce sera attendez quelques jours et l'attente sera positive pour vous, une attente qui sera suivie d'une grande joie.
Et enfin, la dernière carte, la Tempérance, qui dans le tirage cette fois-ci indique clairement que la patience va porter ses fruits. Faites preuve de prudence à une nouvelle proposition qu'on vous donne ou aux nouvelles ou à la proposition qu'on vous formule. Faites preuve de raisonnement et encore une fois, reprenez ce temps pour vous reposer parce que je vois beaucoup, beaucoup de fatigue. Dans n'importe quel aspect des personnes, il y a de la fatigue qui ressort à peu près partout. Pour d'autres, il est temps de commencer une réalisation de projet et voilà. Donc le tirage, vous voyez, est quand même assez bancal vu la situation en France. Je pense beaucoup de gens sont énervés, sont là à stresser, à fatiguer. Non, au contraire, essayez vraiment de prendre ce temps pour vous reposer, vous détendre, respirer un petit peu et souffler et mettre tout ça de côté. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche ou une très bonne soirée. Je ne sais pas à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce tirage vous a plu. Et le plus important, bien évidemment, à me partager votre avis dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée.